Et le départ est donné pour ce prix d'Inavena, une course plate sur la distance 2400 mètres avec Isserton Pandora qui s'est tout de suite emparé du commandement avec un très bon départ. Karaoke des Vallons qui vient en seconde position. Et puis on est là également avec la Kazakh Ferland de Diablotin de Bray qui va maintenant tenter de venir prendre l'avantage devant Cornet des Vallons qui est à l'arrière-garde. Les concurrents qui sont maintenant le tournant et pas de changement notable en tête alors que maintenant on s'est rabattu tête et corde avec la Kazakh Allard de Orielton Prudence. Orielton Prudence qui a pris l'avantage. Méline d'en face avec Isserton Pandora qui vient en seconde position. Diablotin de Vray, Arthur Ferland est en troisième position. On est un petit peu plus loin maintenant avec Karaoke des Vallons et Corona des Vallons qui vient à l'extérieur et qui ferme la marche du peloton avec Loris Borin. Les concurrents qui sont mis lignes opposées, pas de changement notable en tête avec une allure soutenue imprimée par Orielton Prudence. Kazakh Allard qui a toujours librement l'avantage avec Isserton Pandora qui vient lui mettre la pression. Trois quarts de longueur à son extérieur. On est deux, trois longueurs plus loin maintenant avec Diablotin de Vray en troisième position. On tente de revenir à l'arrière-garde avec Karaoke des Vallons et Corona des Vallons qui ferment toujours la marche de ce peloton. Un peloton donc extrêmement échelonné dans la ligne opposée avec toujours Orielton Prudence qui amène le peloton et ceci depuis le début de l'épreuve quasiment avec à l'extérieur Isserton Pandora qui va tenter de venir lui mettre la pression et qui est bien en seconde position qui calque sa course sur le cheval de tête alors qu'on est maintenant en troisième position avec Diablotin de Bray et qu'on revient des derniers rangs avec Karaoke des Vallons et Corona des Vallons notamment les concurrents qui sont maintenant assortis du dernier tournant vont aborder la ligne d'arrivée dans quelques instants et toujours Orielton Prudence qui a supporté le poids de la course et qui a toujours l'avantage tentant de se relancer maintenant le plus bel avec Isserton Pandora. Et on plonge côté corde avec Diablotin de Bray, Arthur Ferland, on est un petit peu plus loin avec Corona des Vallons et Karaoke des Vallons, les concurrents qui sont maintenant à moins de 200 mètres du disque final avec Orielton Prudence qui se relance côté corde avec Diablotin de Bray, Isserton Pandora qui vient à l'extérieur, et les concurrents qui sont maintenant aux abords du poteau, Orielton Prudence qui contrôle l'épreuve et qui va s'imposer, Orielton Prudence qui s'impose juste devant Isserton Pandora, Diablotin de Bray et troisième, on est quatrième avec Karaoke des Vallons et on est cinquième avec Corona des Vallons.